parti pour 2 semaines d'aventure. Ça fonctionne! Que vous dire? Je suis donc bien arrivée à Manchester. On s'en fout de la météo. Putain, c'est pas droit non plus. Alors, il se passe deux choses là, très importantes dans ma vie. Je viens d'arriver, j'ai été très bien accueillie, on m'a ramenée jusqu'ici. J'ai speak English very well, de ma meilleure speak English. Fois, genre, j'ai dit des choses, elle m'a répondu des choses, je me suis dit, elle a pas dû comprendre. Tant pis, on va faire semblant que tout va bien. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Etc. Donc, vous avez demandé sur Instagram de me donner des idées d'organismes pour partir étudier l'anglais parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais, etc. et rencontrer des gens et partir un petit peu. Je me suis dit quoi de mieux qu'améliorer son anglais tout en partant. Je suis partie avec un organisme qui s'appelle donc New College Group, NCG. Vous savez très bien que je suis in love de l'Angleterre et comme j'avais jamais visité ces endroits, je me suis dit pourquoi pas. Cette semaine, I'm alone et la semaine prochaine, I'm with my friend. J'arrête de faire la débile. Là, actuellement, j'ai qu'une envie, c'est de faire caca. Hein. Je vais pas vous le cacher, le problème, c'est qu'il n'y a pas de PQ. C'est dur la vie. Le problème, quand vous parlez pas très bien une langue, c'est de rencontrer des gens. Alors déjà que j'ai du mal à rencontrer des gens dans ma propre langue. Et elle est à dispo. Ici, elle est tellement forte, la police. Du coup, vous rentrez comme ça, genre il y a une porte d'entrée où j'ai mis des vestes et mes clés. Du coup, vous rentrez comme ça, vous avez là un bureau avec encore un peu de bordel là. Ensuite, il y a mes affaires de cours, il y a un peu de la graille là-haut, il y a mes sacs. Là, pour l'instant, il n'y a plus rien, mais il y avait mes affaires. Là, il y a une fourchette que j'ai piquée pour manger ce soir. Là, bah, il y a des tiroirs où j'ai rangé mes sous-vêtements et tout ça. Là, bah, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a donc le lit. Et là, il y a la première boulette de la journée étant ceci. Je vous donne 10 secondes pour comprendre. On s'est pas trompé un petit peu de pays, Léa? Donc bon, je vais pas revenir sur l'histoire du colis Amazon qui n'est jamais arrivé. Donc j'ai dû aller en acheter en 2 spies, je me suis trompée. Là ensuite nous avons bah, le placard où il y a les vêtements, donc rien de bien fou. Les affaires pour demain matin, mon bordel, mon petit PQ de tout à l'heure et la douche. Hello. Alors ce matin je me suis levée à 7h, il est 7h50. Donc tout va bien, je me lève et là puis je me rappelle que j'ai pas de prise. Je vais partir dans pas trop longtemps. Hier je me suis acheté un truc comme ça à graille. Je sais pas ce que c'est. J'ai peur que vous avez bien dormi. Ce matin en vous levant. Tant pis pour vous mais c'est une dinguerie. J'ai mis une petite jupe en jean avec un petit col roulé. Donc je vais vous emmener avec moi dans mon premier jour d'école. Bon alors actuellement il est 3h. Du coup, nous avons fait des tests ce matin, c'était grave cool. Puis avec Bianca Maria, qui est donc italienne. De toute façon, elle comprend pas ce que je dis. Say hello. Hello. Elle a perdu sa valise à l'aéroport, du coup on a dû aller acheter des sapes. Et du coup, bah après on a profité pour manger ensemble. Donc actuellement, je mange un truc très bizarre. Ah, mais moi aussi, it's a giant couscous and feta. Ok, je suis vraiment éclatée. Je pense que je vais pas tarder après à aller faire dodo. If I don't meet people and... I'm alone, so it's so sad. So it's okay, I meet people. Oh, du coup, ouais, on parle toutes les deux approximativement anglais, mais vu qu'elle est italienne, bah, on se comprend. Voilà. Du coup, bah, bon appétit et puis à demain. Hello, c'est le troisième jour, donc nous sommes lundi, mardi. Ce trépied est très très lourd, je le répète à chaque fois que je prends la caméra. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai pas cours le matin avec les potes. Du coup ce matin je me suis dit que j'allais taper une petite marche pour aller visiter un muséum qui est à 20 minutes. C'est très lourd, je sais pas si c'était une bonne idée d'acheter un Gorillapod à 100 balles pour avoir aussi mal au bras. Donc monsieur, je te hais parce que c'était ton idée et moi je l'en voulais pas. Et tu vois j'ai des petits bras, je crois qu'à la fin de ce voyage je vais finir gainé comme never.
actuellement. So, il est 20h et nous sommes au resto. Du coup, il y a Bianca et Solange derrière. So, voilà. C'est tout pour la mise à jour du jour. C'est chez Sab. Hi. It's Solange. Solange, elle est brésilienne et bah, y a Bianca toujours. Ah. Oh yeah, if you want, we come with you. If you want. But I don't know because it's tonight. Yeah, I'm a little, I'm a baby, I need sleep. I. Yeah. Hello. Et il y a des travaux dehors. Il est 9h30, je vais aller à l'école pour essayer de changer de groupe, comme je vous l'ai dit hier soir, parce que je suis pas du tout un bon groupe. C'est vraiment, genre quand je le dis, en fait j'ai l'impression de lire les choses en français tellement que c'est simple en fait. Je trouve ça dommage parce que je suis là vraiment pour m'améliorer. Ouais, le premier jour en fait, la prof elle m'a parlé et j'ai pas parlé en fait, j'ai dit yes, ok, parce que j'étais vraiment très anxieuse. Ça fait que je pense qu'elle m'a mis dans le mauvais groupe, elle a pensé que je savais pas parler. Et des fois j'ai envie de faire des petites blagues à la française. Et je me retourne en français, après je me dis ah oui merde, je peux pas les faire. Mais je kiffe toujours ma life. Yeah. Okay. If you go more down, there is something yes. here. For real, like, old people. I don't know. Yeah. I'm like this. J'ai vraiment une passion pour les donuts qui est genre, je pense, démesurée. Comme je parle qu'en anglais avec les gens qui sont autour de moi, ce soir j'étais un peu fatiguée et puis Bianca et moi, genre on se comprenait pas quand on discutait. Et j'étais un peu genre, oh, allez, mais pas le français là, ça me saoule de te parler en anglais. Je suis juste fatiguée, genre de la journée et tout, et j'en ai trop marre de devoir continuer à faire des efforts. Genre, c'est comme si tu te reposais jamais. Et je suis triste de partir parce qu'il y a plein de gens que j'aime trop et je me suis attachée à des gens. I belong to you. Peut-être une qualité moins bonne, mais je suis allée à l'autre bout de Manchester. J'avais tout prévu, j'avais pris ma petite caméra et tout pour aller à un musée, sauf que j'ai oublié ma batterie. Pourquoi? En plus hier je me suis dit tu vas l'oublier, et je l'ai oublié, donc bon. Je me suis dit bon c'est pas grave, te prends pas la tête, t'as ton iPhone, tu vas filmer à l'iPhone pour aujourd'hui. C'est dommage parce que pour une fois je fais un truc bien. Le musée, ça s'est fini assez vite. J'ai décidé d'aller visiter le stadium. Je sais pas si on peut le visiter, je pense que si. Bon, en gros, il y avait la visite et tout. Je suis rentrée, sauf que après, en fait, c'est 28€ pour visiter. En soi, ça me dérange pas de payer pour visiter le stadium. Sauf que, en fait, c'est 2h la visite. Et j'ai vraiment pas 2h puisqu'il est 11h et que j'ai cours. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet. I can't speak in French. J'ai décidé de filmer un petit bout de soirée parce que c'est mon dernier soir, donc c'est Alba. Elle parle en français, en espagnol, en anglais et allemand. Je commence. C'est vrai. Je sais pas comment tu fais pour parler autant de langues aussi bien, parce que tu vois, genre déjà moi j'ai du mal à parler ma propre langue. Et toi tu parles genre 3 langues super facilement. Je vais au lycée français depuis que j'étais petite. Ouais. Bah j'ai développé genre un bon ear. Yeah. Comme j'ai commencé depuis petite à parler français et que je suis espagnole, j'ai développé cette oreille. Ouais, voilà. Et donc j'ai plus de facilité à
à parler notre langue. Hier, elle est venue me parler en français et j'étais vraiment hyper fatiguée de speaking English. Et donc ça m'a fait vraiment du bien et du coup ça crée des liens parce que tu parles ma langue. Ok, I'm French. Where are you from? I am from Thailand. Yeah. I'm from Italy. No. From Italy. I'm from Turkey. Yeah, I'm from Italian. I'm from Italian. Voilà, alors du coup nous avons deux Italiens, un Turc, une Thaïlandaise et Alba espagnol. Qui est espagnole et moi qui suis française. Du coup je vais passer la soirée avec eux. C'est trop bien de faire des voyages parce que tu connais plein de gens. Ouais. Il veut pas que je parle en français. He say speak in English because we're in Manchester now. Yeah, but et je lui dis qu'en gros j'aime bien parler en I love to speak in French with Alba because I can to explain it easily. Yeah, and from private joke, if I want to speak about you or speak about anything, I can in French. But some important things. I translate everything when. No, you are not translating. You always talk. Yes, followers, listen to the truth from me because she always talking the French and she didn't explain even one word. Yes, En gros là on est en train de... Enfin il y a une mouette qui a une vraiment pas de cassée. Enfin on leur a dit qu'on pouvait amener la mouette chez le veto. Mais it's the same ch. It's the same C and C and S. A joy you give me every day makes me forget that I was troubled before.